Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale aujourd'hui afin de protester contre la conscription. Il est prévu que le Congrès vote la mise en place de cette nouvelle législation dès la semaine prochaine. Les sondages montrent une forte opposition à la guerre et à ses mesures. Cette incertitude vis-à-vis du conflit ne présage rien de bon pour le président, dont la cote vient de subir une chute sévère. Notre correspondant à Washington a les détails. Bienvenue au camp. Venez. Une mention Groomlake est en train de s'effondrer. Allons, colonel, ne me dites pas que la défense n'a rien à ajouter. Vous n'êtes pas sérieux. Vous serez briefé quand ce sera nécessaire. Mais n'est-ce pas un problème de santé publique? Sans vouloir vous vexer, colonel, votre réponse est inacceptable. C'est la seule réponse que vous aurez. Cet entretien est terminé. Pierce, venez avec moi. Il y a eu une brèche de sécurité au détachement 3, au centre de test des forces de l'air. Les auteurs sont inconnus. Il y a des matériaux importants dans cette base, indispensables à la sécurité nationale. Officiellement, la base est fermée depuis des années. Nous ne savons pas comment ces insurgés, pardon, ces individus, auraient pu le savoir. On a plusieurs options pour cette opération. Premier scénario, on envoie ton unité dans la base pour une frappe chirurgicale. Deuxième scénario, on lance un assaut général. Bien sûr, le Pentagone évalue des mesures plus drastiques. On n'exclut encore aucune option. On a ordonné aux civils dans un rayon de 100 km de se réunir au camp. La plupart l'ont fait, mais il reste encore quelques mécontents qui refusent de bouger. La 4e infanterie est allée à Rachel, Nevada pour une dernière inspection à 14h00. On a perdu le contact radio avec eux il y a 30 minutes. Je veux que toi et tes hommes alliez à Rachel, que vous établissiez le contact avec eux, que vous évaluiez la situation, et que vous me fassiez un rapport. Les caporaux Ambrose et Grayson sont déjà au rapport. Ils t'attendent dehors. Écoute, Pierce, je n'ai jamais pu exprimer mes condoléances pour Summers. C'était un très bon soldat. Ce n'est jamais facile de perdre un homme. J'arrive de suite. Hey Pierce, ça fait un bail, mec. Allez, faut se préparer. T'as aimé le briefing du colonel Green, toi? Blablabla. Donnez-moi un flingue et puis voilà, merde. Devine quoi? Noah est là. Elle revient d'Irak. Ça fait 2 ans, et cette nana plante toujours des aiguilles dans les gens. Et tu sais quoi? Madame, c'est toi le prochain. Le capitaine Pierce est là. Mais allez, l'infirmerie est par là. Je vous attendais. Venez par ici. Ils peuvent nous entendre. Vite, donnez-moi votre bras. Le colonel Green est soit con, soit complètement fou. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Vous vous souvenez de l'Irak? C'est pour ça qu'on est tous les deux ici. On vous envoie sans... Écoutez, à Rachel, ne touchez à rien. Et couvrez-vous la peau. Si vous vous sentez étrange, venez me voir. Compris? Docteur Wise, les données atmosphériques sont arrivées. Nous enregistrons un taux de moisissure de 7000 fois la norme attendue. Vous voulez dire 700? Non, madame. J'ai revérifié. Apportez-moi un échantillon. Et mettez un masque. Bien, madame. Cinq mille huit cents. Ouais. Hey, Noah me fout les jetons. Direct.
Regarde ça. Des orages. Ça a été comme ça toute la journée. C'est la saison des ouragans dans le Nevada. Réchauffement planétaire. Ah, tu parles. Allons faire un petit tour à Rachel. Hey, quand ce sera terminé, on devrait se casser à Las Vegas. Histoire de se faire des thunes. Ou de voir un match de boxe. Ou de trouver une nana pour Ambrose, tiens. Mon Dieu, j'y crois pas. Ils acceptent vraiment n'importe qui ici. Ça va? C'est Sylvie. Elle a 2 ans. Alors, les nouvelles? Ils disent que c'est une milice qui a pété un plomb. Mais je sais pas. T'en vois pas autant d'hommes pour une bande de ploucs bourrés. Ouais, qui sait. Envie de conduire, Pierce? Je vais devant. Unité Echo, le temps est très mauvais en ce moment, beaucoup de pluie. L'autoroute est impraticable. Vous allez probablement devoir faire du tout-terrain, alors accrochez-vous. Terminé. Hé, Grayson, mets-nous de la zik. Non, ces enfoirés à la radio sont vraiment trop cons. Pour tous ces gens qui disent non à la conscription, j'ai juste une question. Qui va aller se battre sur le terrain, hein? Oh, tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'on n'en veut pas de la guerre. C'est vrai, mais la réalité est différente. La réalité, c'est que l'Amérique est une cible. Une cible que nous allons défendre, point barre. Je te le répète, Reed. Je me fais du souci. Les gens pigent pas. Sans une armée forte, nous sommes des cibles faciles. C'est la faute des médias. Leurs commentaires sont complètement déplacés. Absolument. Personne n'a besoin de participer au combat à moins de porter un uniforme. Mais attention, faut le mériter. Le pont est HS. Putain, les routes sont vraiment pourries dans le coin. Ouais, comme les digues de la Nouvelle-Orléans. Bon, tant pis pour la voie pépère. Essayons la voie militaire. Ouais, un peu de tout terrain. C'est qui, ça? 4e d'infanterie. Parlez à la radio avec le colonel. Echo, ici Green. Négatif. L'hélicoptère n'est pas des nôtres. Terminé.
Cible éliminée. S'écrase. Allez, on se casse. On verra qui c'était plus tard. C'est pas la milice, ça. Regarde un peu. C'est... Tu crois? Je sais pas. Du moment que c'est mort et moi non, ça me suffit. Allez, on devrait continuer. Bref ! Bordel, quoi encore? Mais c'est quoi ces trucs? On dirait des cafards croisés avec des cochons! Bien compris. Bien fait pour lui. Allez! Super! Des mines ambulantes! Thank you.
m'en occupe. Pas de problème. C'est vraiment pas une bonne journée pour le Nevada. Sans dette, ouais. On dirait qu'on a raté une autre fête. Affirmatif. La porte est bloquée, faut l'ouvrir. Quelque chose sur la route. Pierce à la tourelle. Dieu, je me suis pas engagé pour ça, moi. Mais si. Tu appartiens à l'armée, souviens-toi. Voyons cette porte. Au moins, on a des flingues. C'est quoi, ce bordel? Vous avez pas l'impression d'être venu en Irak? Carrément. Le colonel Green t'a parlé de ces saletés de bestioles, Pierce? Non, certainement pas. L'armée ne sait jamais ce qui se passe. Allons à Rachel. Bien sûr. Je dirais qu'il y a eu un accident. Quelqu'un s'est mangé la rambarde. Faut qu'on fasse le tour. Tuons-les ! À couvert ! Pour lui. Grenade ! On s'occupe de lui.
J'ai hâte de me tirer d'ici et de voir mon petit bébé. Voilà ce que j'appelle une bouillie d'insectes.
Merde, il fait chaud ici. En formation, près parlons au proprio et reprenons la route. Les affaires n'ont pas l'air de marcher fort pour ce type. Il ne nous en voudra pas si on passe par sa station-service. Tout bon. Eh ben alors, vous avez rien d'autre? Eh vite, un peu du con là-haut. Pas de problème. Affirmatif. Ouvrez! Vous êtes de l'armée? D'après toi, hein? N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ici? C'est ici que j'habite, fiston. C'est ma station-service. Et ces types me la mettent en pièces. J'étais un marine, moi. De 85 à 89. Alors, vous allez vous occuper de ce bordel? Ne vous inquiétez pas, on contrôle la situation. Négatif, l'ami. Ce pays est en train de se faire attaquer. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Je l'ai entendu sur les ondes courtes. Ils ont traversé la frontière, il y a 3 nuits. Des sections entières. Des bataillons, même. J'en ai vu 3 ce matin. Armés jusqu'aux dents. Ils sont passés par ici ce matin, en formation. Ils ont buté tout le monde! Margaret! Bobby! Tout le monde! Je savais que ça nous tomberait dessus! Relax, mec, t'as dû te cogner la tout tête. Tout faux, l'ami! Je dis la vérité! Merde! Grisseur, tire dessus! Je descends dans la cave, et j'en ressors pas de la semaine! La voie est libre! Allez! Ouais, je vais ouvrir le garage. Vous pouvez sortir de votre caisse et couper jusqu'à l'autoroute. Allez-y! Allez-y! Appelez-moi une armée! Entendu? Une armée!
Le vieux avait raison. Regardez tous ces morts. Préparez-vous. Négatif, chef. Impossible. Fais gaffe. C'est peut-être piégé. Hey! Hey! Menderos. Cabrones. Regarde son uniforme, Pierce. Attention! Allez, vous faire voir. Delta. Armée américaine? Au négatif. Ça n'a aucun sens. Il a dû les prendre à un type de la 4ème infanterie. Je sais pas. Ça m'a l'air américain. Je comprends rien. Moi non plus. Allons-y. On a de la compagnie. Préparez-vous. Milice en vue. Faut les repousser. Oh. Toutes ces années dans l'armée, et j'ai jamais piloté un tank.